sacrifié de perdre toutes ces bricoles. Bonne journée, Warren. Pas encore bien, ça. C'est trop tôt. J'avais quelques espoirs. Avez-vous besoin d'aide, Warren? J'aurais pas jusqu'à dire de l'aide, mais... Avez-vous besoin d'aide, Warren? Confinement en cours. Ne devriez-vous pas être à votre poste? Il est sorti d'où le mec tout à l'heure? Il est sorti de là? Pas mon truc, hein. L'esquive, tout ça. Ah ouais, Lucas.
J'allais arrêter le live, mais je vais rester une minute ou deux pour plus. Juste pour toi. En train de mourir. Ah, les doubles griffes sont tendues. Mon avis sur le jeu, je vois pourquoi il a pas plu, mais j'ai envie de savoir ce qui se passe plus tard. Je vois ce qui a pas plu en fait aux fans de Dark Souls. Parce que je me considère aussi comme un fan de Dark Souls peut-être. Mais je peux comprendre. Le maniement est pas le même, les. La façon dont je réponds même. Et la progression par augmentation des armes plus que par progression de ton personnage pour un build. Même si au final les armes créent ton build, hein. Ça me semble assez évident. Ah merde! Mais tu vois en un coup? Il me tuait pas en un coup, je sais pas. Enfin, les ennemis totalement protégés, il faudra m'expliquer où elles ont les parties non protégées. Sympa ce petit coup. Petit coup glissé. C'était pas full santé, d'accord. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, ça fait 10 minutes que je me dis je vais arrêter, et en fait j'essaie de tuer tous les gardes en haut là, ce qui fait que j'arrête pas de mourir à la con, ce qui fait qu'en fait j'arrête pas. Le jeu en lui-même n'est pas désagréable, hein. Et même très loin de là. Hein.
Il a 2-3 trucs sympas là, dont la petite glissade que moi je trouve très très cool. Ça, c'était pute. Des morceaux comme ça, on pourra faire progresser nos armures. Ah merde, il attendait que je frappe. Ok. Ça n'a pas l'air d'être des copains, eux. Ne devriez-vous pas être à votre poste? Je devrais être partout. Oh, pas grincheuse la voix. Ah oui. Ah merde, j'ai pas rencontré de léger pour l'instant. Du coup, j'ai pas vraiment ce qu'il faut. Ça, c'est la grosse masse. Ça, c'est l'épée de départ. Ah ouais.
Alors couper des bras, couper des têtes. Ça me fait plaisir de te voir, mec. Ça va pas. Ça va pas bien du tout. J'ai trop besoin de mes médocs. Ça fait des heures, mec. Je m'en sortirai pas sans eux. De quel médicament vous avez besoin? C'est un implant. Appelé Modaxinol. Si j'en ai pas, j'en crèverai, mec. La dernière fois que je suis sorti. Tu sais ce qui est arrivé. Sérieux. Je suis en galère. Je vais essayer d'en trouver. T'imagines pas à quel point je te serais reconnaissant. Merci. Oh, sérieux. Je sais que je demande beaucoup. Qui voudrait sortir dans ce merdier? Sérieux. Je veux pas être malade. Pitié. Vous vous entendez bien avec Ops? Oh, je sais pas. Il voulait pas m'aider. Complètement dans son trip perso. Si c'était lui qui avait besoin de ses médicaments, c'est pas comme si j'en faisais des tonnes, là. Je dois y aller. M'oublie pas, d'accord? Je compte sur toi, d'accord? On s'en est tiré. C'est bon de vous voir. Et je sais très bien ce que je vous dois. J'ai trouvé ça. Prenez-les. Ouh. Vous pourrez vous aider. Des problèmes pour revenir ici? Non, c'était pas bien loin. J'ai fait profil bas. Le pire doit être passé maintenant, non? Vous avez rencontré Davy? Oh ouais. Mais je m'en cogne un peu. Il voulait que j'aille lui chercher ses médocs. J'ai dit non. Ça l'a bien énervé. S'il croit que je vais retourner dehors, il a vraiment une case en moins. Ok. Un de ces quatre. Moi, je vais y aller chercher ses médocs. Hein. J'ai une case en moins. Pourquoi personne ne me parle? Dites-moi si j'ai une case en moins. Est-ce que j'ai pas vu que... Pas assez de métal. Ah, si. Que t'arrive-t-il? On vient de découvrir un ou deux survivants. L'un d'eux me demande d'aller chercher ses médocs. On va y aller. On va bien les trouver sur la route. Et là, je compte m'arrêter en fait pour la soirée. On est à 2h40 de live. Donc on peut pousser à aller voir ce qu'il y a plus loin. Mais... Ah, il y a plein de messages et tout. Ouais. Elle m'a dit de rejoindre l'étage de la direction. Que c'était plus sûr. La sécurité l'a verrouillée, mais... Le vrai problème, c'est d'y arriver. Elle a dit qu'ils avaient demandé de l'aide. Et que les choses rentreraient bientôt dans l'ordre. Si... S'ils ont demandé une aide extérieure, ça veut dire que la situation est partie en vrille. Mais vous savez quoi? C'est pas grave. S'ils contrôlent la situation, je vais juste rester ici et les attendre. C'est terrifiant d'entendre tous ces bruits et d'être toute seule. Je suis en sécurité ici. Vu que t'es plus ici, l'étage de la direction. Je dirais que t'as pas dû être en sécurité. La sécurité l'a verrouillée, mais le vrai problème, c'est d'y arriver. Warren, je commençais à m'inquiéter. Je suis contente de vous entendre. Et Hobbs, vous lui avez parlé? C'est incroyable qu'il n'ait eu que quelques égratignures après tout ce qu'il a dû traverser. Il a perdu beaucoup d'amis. L'un d'eux a été tué devant lui. Je n'imagine même pas comment il doit se sentir. Mal. Qu'est-ce qu'il a, Davy? Il est dans un sale état.
Ses données biométriques le prouvent. Et il est toujours sous le choc. Il n'arrête pas de répéter qu'il a besoin de ses médicaments, mais je ne trouve rien dans son dossier. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a eu une sorte d'incident. C'est tout ce que je sais. Rien ne marche, et votre zone est sous quarantaine. Je suis piégée à la direction. Il y a des signaux de détresse partout dans votre secteur. Mais vous êtes le seul que j'ai réussi à contacter. On doit faire quelque chose. D'accord. Mais j'espère que ça me vaudra une prime de risque. Ok. Ce n'est pas en restant ici qu'on va découvrir ce qui s'est passé. Nous sommes dans le même bateau, vous et moi. Et il n'y a personne à la barre. Du moins, pour le moment. Vous allez finir par me dire qui vous êtes. Sally. Je m'appelle Sally. Je fais partie de l'équipe médicale. Je suis affectée à la direction. Je suis isolée là-haut. Bloquée, pour être précise. Je fais mon possible pour me rendre utile. Vous avez essayé d'appeler à l'aide ? Le système est verrouillé. On ne peut contacter personne à l'extérieur, et il semble que seules les communications de la base d'opération fonctionnent. Il faut que j'y aille. Soyez prudent. N'oubliez pas, la sécurité des locaux est notre plus grande priorité. Elle doit être la vôtre. Avez-vous besoin d'aide, Warren ? Plus de finish maintenant ? J'ai activé la mauvaise option ou quoi ? Donut suicide. D'accord. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les mecs d'ici avaient besoin d'un panneau pour leur dire de pas se suicider, quoi. Wouah, il brûle le monsieur. Et il a pas de zone de faiblesse. Merde, j'ai raté l'épée de feu.
Des bisous, mon Alu. Que si je les coupais... Ah, c'est inutile. Peut-être que si je les coupe... Créo, ce n'est pas... C'est un style de... Ici, peut-être que si je les coupais... Chez Créo, nous nous... Peut-être que si je paie... le Colisée pendant l'âge d'or de l'Empire romain. Car oui. Fais chier, pas encore. Allez vous faire mettre. Je vous jure, je... Hé hey. Mais vous êtes normal, en fait. Enfin, pendant un instant, j'ai cru que vous étiez un de ces fêlés. J'en ai déjà croisé une douzaine aujourd'hui. J'ai toujours attiré le mauvais genre de mec. Vous cherchez quelque chose? Mais quel petit curieux. J'essaie juste de trouver un truc qui m'aidera à rester en vie encore un peu. Un bon bâton. Qui ne tombe pas en miettes, au cas où quelqu'un aurait besoin d'une bonne raclée. En fait, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Tous ceux qui m'ont dit ça m'ont déçu, mais je suis partante. Bon, voyons ce que vous avez. Ce tuyau, ça irait ? À peine. J'espère que ça n'était pas tout votre arsenal. Ça m'ennuierait que vous vous blessiez. Je me suis peut-être trop avancé. Désolé de vous décevoir. Je suis sûre qu'on a déjà été déçus tous les deux. Alors c'est quoi cette histoire de bâton ? Je pourrais vous retourner la question. Mais on dirait que rester assis, ce n'est pas notre truc. Je n'ai jamais aimé les robots recycleurs. Je les ai toujours surveillés du coin de l'œil, même avant tout ce bordel. Il est temps de les arrêter et de les envoyer à la casse pour de bon. Alors, vous allez me dire qui vous êtes? Vous croyez que je donne mon numéro au premier venu? Désolée, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je m'appelle Irina, ingénieure qualifiée. Et battante, apparemment. Vous savez ce qui se passe ici? Oui, cette compagnie a enfin réussi à effacer les derniers vestiges d'humanité en nous. Apparemment, on est des petits vénards. On n'est pas raide mort et notre cerveau n'a pas grillé. Enfin, pas encore. Il faut que j'y aille. Juste quand on commençait à faire connaissance. Ce n'est pas tout. C'est ça. Ici, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes quelqu'un.
quelqu'un de spécial. Chez Créo, nous nous soucions de votre bien-être, à la fois dans le corps et l'esprit. Chez Créo, vous avez plus qu'un travail. Vous avez une famille et un foyer. Vous voulez plus, non? Pourquoi payer pour des abonnements à la salle de sport et au spa quand Créo possède tout ça au sein de ses locaux? Et quant aux vacances, si je vous disais que vous pouvez en avoir toutes les semaines? Eh oui. Avec le système Dream Tour de Créo, le DT, vous pouvez aller partout dans le monde et même au-delà. Le DT se connecte directement à votre interface neurale et voilà! Vous êtes à la plage à Rio ou au carnaval de la Nouvelle-Orléans. Vous préférez la culture? Promenez-vous au bord de la Seine au cœur de Paris? Ou visitez le Colisée pendant l'âge d'or de l'Empire romain? Car oui, DT vous propose des choix illimités. Et si vous quittez plus l'entreprise? Une semaine de vacances en moins d'une heure avec DT. Allez où vous voulez. Avec tout ce que vous offrez. Créo, ce n'est pas... Ok, les gars. Ici Benberg. Écoutez-moi. Je sais pas si vous êtes sortis du recyclage. Je sais même pas si vous m'entendez. Mais si vous m'entendez, rejoignez-moi à la gare. Je vous attends. Soyez prudents. Ensemble, on pourra s'en sortir. Je crois que le mec s'est trompé de décor. Je commence à avoir peur à mourir. Si je meurs. J'avoue que c'était un peu par dépit que j'avais tapé dessus, mais ça marche. Bien cool, mais je sais pas du tout où je suis. Lâche et après il se la joue, allez mon pote, viens à ma fête. Qu'il aille se faire foutre. Faut l'entendre. Salut les gars, pour info, la semaine prochaine c'est mon anniversaire. Il se prend pour qui? Après ce qu'il a fait, il y aura plein de gâteaux, alors ramenez-vous dans la zone 12. Il a cassé tout fait avec.
D'abord les drones, ensuite John, et maintenant les salaires. S'il croit qu'on va oublier et laisser pisser, il est complètement à côté de la plaque. Un ces jours, je vais attraper un de mes outils et le mettre au en place. Je me suis totalement perdu. J'ai aucune idée de là où je suis. Si seulement je savais où je devais aller, j'aurais peut-être moins galéré. C'est encore Ben. J'attends toujours à la gare. Je voudrais essayer toujours les anciens labos. Ah ouais. J'espère que c'est plus sûr là-bas. Mais je ne partirai pas sans vous. Je sais que c'est le bordel au recyclage et au stockage des déchets. Mais si vous les passez, ça ira mieux après. Elle n'est jamais venue. Ça fait plus d'un jour maintenant, et rien. Elle répond pas quand j'appelle. C'est de pire en pire dehors. Les bruits me fichent la trouille. Je les entends, mais... au moins, les hurlements ont cessé. C'est une bonne chose. Mais il reste les autres bruits. J'ai vu un type qui était dans un sale état. Mais il semblait savoir ce qu'il faisait. Il allait vers la direction. J'aurais peut-être dû aller là où elle me disait. Supplémentaires, mes gars dépendent plus de leurs implants. Mais j'ai remarqué des comportements de plus en plus erratiques chez eux. Ce planning devait être temporaire, mais ça dure depuis des mois. Et sans temps mort, je ne juge pas mon équipe pour son usage. Mais les effets secondaires sont de plus en plus visibles. Il y a même eu des bagarres. Et certains ont un comportement totalement étrange. Si aucune mesure n'est prise, nous allons bientôt avoir de gros soucis. Avertissement. Extension des passerelles du canal au recyclage. Je sais pas ce que ça fait.
Je sais où je suis. Parfait. Une bonne petite fin de live. Non, ça ira. Quand t'es full life, tu tapes plus vite. On peut encore la monter d'un niveau, on va le faire. Comme ça, on pourra lui montrer un beau bâton. Ça devrait lui plaire. Ça, ça réduit ma consommation et ça, ça augmente ma consommation d'endurance. Non, l'autre est plus intéressant du coup. Bon, vu la stabilité, je pense que si là tu mets un marteau, tu dois pas pouvoir bouger. Enfin, tu dois pouvoir bouger du coup. Je vous remercie d'avoir suivi ce live, on se retrouve demain pour la suite de nos aventures sur The Surge. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. À ciao.